Au milieu des bois verts habite un éléphant appelé le maire. Ce petit éléphant est très solitaire. Il vit presque seul au bord de la rivière. Pour lui tenir compagnie, il a un gros oiseau bleu nommé Titi et un écureuil roux et malicieux qui s'appelle Spip. Elmer est paresseux. Il dort beaucoup et mange beaucoup. Mais cela n'est pas son seul problème, parce qu'il jette les ordures et les déchets partout sur la terre. C'est l'automne. Le sol est tapissé de feuilles jaunes, ocre, marron, toutes ces couleurs chaudes de la saison. Le tronc des arbres apparaît nu, sombre dans la presque nuit. Ce soir-là, juste avant la tombée de la nuit, Elmer, Titi et Spip se promènent dans la forêt. Ils bavardent. Ils ont toujours quelques anecdotes à se raconter. Elmer se tourne vers ses amis et dit: Les ordures me gênent trop. Il faut qu'on s'en débarrasse. L'oiseau répond aussitôt: J'ai une idée. Creusons un trou sous les chênes géants et jetons les déchets dedans. L'idée plaît aux trois animaux et dès l'aube, ils commencent à faire de trous sous l'arbre pour cacher les ordures. Jour après jour, l'éléphantou et ses amis continuent à remplir la fosse qui devient de plus en plus grande et le chien commence à se sentir mal à l'aise. Un jour, tandis que Spip est en train de jouer dans l'ombre de l'arbre, il entend soudain des chuchotements. Hey, psst, petit écureuil. Étonné, Spip lève sa tête et il voit des gros yeux brillants se montrant entre les plus hautes branches. Qu'est-ce qu'il fait le chêne? Se demande l'écureuil. Mais regarde-moi quand je te parle. Écoute ce que je veux te dire prudemment car c'est très important. En montrant une de ses feuilles, le chêne continue. Alors, remarques-tu ces petites taches sombres ici? Je deviens malade, couverte d'horribles taches et je perds beaucoup de feuilles chaque jour et c'est à cause de tes amis et toi. Vous êtes en train de polluer la terre qui est ma maison. Mais attention, si je meurs, où vas-tu habiter? Peux-tu grimper dans mon tronc et jouer dans mon arbre? Peux-tu te balancer à mes branches et manger mes fruits? Si je meurs, tu meurs! Et tes amis meurent aussi! Oh mon Dieu! Je suis navrée! Ne t'inquiète pas, cher chêne! Je vais trouver sûrement une solution pour te sauver! Ensuite, Spip se précipite vers ses camarades et leur raconte ce qui s'est passé. Après quelques heures de réflexion, Spip propose de jeter les ordures dans la rivière afin de sauver le chêne et garder leur terre propre. Ainsi, l'éléphanteau, l'oiseau et l'écureuil s'entraident à déverser toutes les saletés dans l'eau claire de la rivière. Quelques jours après, les poissons deviennent en danger. Ils ont peur de mourir empoisonnés. Donc, ils décident de quitter la rivière et aller chercher un autre endroit où ils peuvent vivre en paix. Au début, Elmer remarque leur disparition soudaine sans savoir la cause. Mais quelque temps plus tard, il comprend que l'eau devient sale et imbuvable, puisqu'il ne peut plus y boire et son ventre lui fait beaucoup de mal. Alors, il commence à penser à une solution pour ce problème. Et ici, il décide de brûler les ordures au lieu de les jeter dans la rivière. Brillante idée, dit Spip. De cette façon, on se débarrasse des déchets sans faire du mal aux plantes ou à la rivière. Les trois animaux se mettent en action. Ils rassemblent les ordures et y mettent du feu. Aussitôt, une fumée noire monte dans le ciel bleu et la vision devient impossible. Étouffée, Titi pose des cris de secours. Il pleure en disant « Je vais mourir !»« Je pense que mes poumons vont se gonfler !»« Je ne peux plus voir ni respirer !»« Dites-moi, qu'est-ce que nous avons fait ?»« Comment avons-nous pu causer tous ces dégâts à notre chère forêt ?» Qu'allons-nous faire maintenant? Sans hésiter,
Elmer se dirige vers la rivière, remplit sa trompe d'eau et essaye d'éteindre le feu. Et malgré leur petite taille, Pip et Titi l'aident sans arrêt. Leur surprise est grande quand ils voient les troupeaux de tous les animaux venir les entraider. Au bout de quelques minutes, et après un grand effort collectif, le feu s'est éteint et le ciel est bleu de nouveau. Soudain, entre les petites plantes se montre Chloé, la vieille tortue qui avance vers les trois camarades imprudents et s'adresse à tout le monde à voix haute. « Mes enfants, votre ignorance et paresse ont mené à ce résultat dangereux. Vous avez oublié que la forêt est notre maison et nous devons la protéger. Vous pouvez vous demander comment peut-on sauver l'environnement. C'est simple. Collectons d'abord les déchets et les ordures qui doivent être brûlés. Recyclons ensuite les matières premières. » Protégeons les espèces animales les plus menacées et qui risquent de disparaître de la terre. Après ces mots sages, Elmer, Titi et Spip rougissent de honte et s'excusent aux animaux. Depuis ce jour-là, l'éléphant, l'oiseau et l'écureuil ne sont plus solitaires. Ils forment de nouvelles amitiés et veillent sur la protection de la forêt. Ce n'est pas bon, il faut tous faire attention. La pollution, ce n'est pas bon, il faut tous faire attention. Qu'elle soit atmosphérique, elle n'est pas sympathique. Qu'elle ne soit que de plastique, il y a toujours un hic. Nous ne sommes pas des cheminées à respirer la fumée. Il faut donc se préserver pour rester en bonne santé. La pollution, ce n'est pas bon, il faut tous faire attention. La pollution, ce n'est pas bon, il faut tous faire attention. Un peu moins de détritus pour se dégager la vue. Elles sont plus jolies les rues, toutes propres qui l'eût cru. Quand les déchets sont triés, on peut tous les recycler. La terre sera ainsi préservée, on pourra toujours y danser. La pollution, ce n'est pas bon, il faut tous faire attention. La pollution, ce n'est pas bon, il faut tous faire attention. La pollution, ce n'est pas bon, il faut tous faire attention. La pollution, ce n'est pas bon.